je voulais vous faire un petit topo sur comment ça marche les tournois, maintenant que je comprends à peu près un petit peu mieux. Donc première chose à vous dire, c'est qu'en fait, j'ai quand même ma ville qui est pas mal optimisée pour ça. Vous avez pas mal de merveilles en rapport avec le militaire, typiquement les aiguilles de la tempête, qui est toujours la première merveille et qui permet quand même d'avoir des archers vachement plus efficaces et de produire plus vite. Le monastère martial, qui est à mon avis indispensable pour tout le monde, que vous soyez militaire ou pas, sanctuaire hein, chez les humains. À cause du bonus de culture et le fait que parfois on combat et du coup on perd beaucoup moins de troupes. Vous avez ensuite, qui a aussi été placé, le rempart nain, énorme en termes de taille de l'escouade en production, plus que les armureries comprises. Pareil pour le sanctuaire des champignons astucieux, qui arrive plus tard, mais qui fait quand même du bien, là aussi. Après, vous avez diverses merveilles qui améliorent les performances des autres troupes. La forge des héros, c'est les lourdes. L'académie volante, c'est la vitesse d'entraînement du camp, surtout. L'habit du dragon, c'est pour les mages. Le temple des crapauds, c'est les unités de portée. Les fontaines triomphantes, c'est les unités de mêlée légère également. Et pour finir, j'ai 6 Massa Sapiens pour la production et j'espère avoir le voyage temporel pour pouvoir avoir des tournois qui vont encore un petit peu plus vite. J'ai également depuis peu, et ça c'est mon dernier joujou, un phénix de feu qui est amélioré à niveau 10, qu'il faut bien évidemment nourrir. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir le voyage temporel pour avoir besoin de moins le nourrir, parce qu'en fait j'ai aussi, lui il a déjà été nourri, un nounours polaire, donc le temps de recharge du tournoi est déjà un petit peu plus faible, mais ça serait bien de pouvoir faire 3 rounds avec une seule nourriture. Donc on va passer voir le tournoi à proprement parler. Donc là je suis déjà rendu au cinquième round. Et je vais vous montrer ce que ça donne en manuel. Donc on va partir des provinces les plus faciles, parce que typiquement si vous essayez le tournoi en manuel sur des provinces difficiles, vous allez vous ramasser et ça va pas être drôle, il faut vraiment apprendre petit bout par petit bout. Donc première étape, vous le savez sans doute, chacune des unités, c'est un système de pierre, papier, ciseaux, donc une unité est efficace contre les deux unités suivantes. Par exemple, comme vous pouvez voir ici, l'unité de mêlée légère marche pas mal contre les unités de mêlée légère, marche bien contre les sorciers et les archers. Par contre, sur les unités de mêlée lourde, c'est un peu pas ça. Donc globalement, si vous regardez sur l'ordinateur en manuel, vous voyez assez vite ce que ça peut donner en termes d'unités. Donc là, c'est un petit peu coton parce qu'en fait, c'est pas super simple à faire en fait. Donc ici, ce qu'on peut éventuellement raisonnablement faire, c'est se dire qu'en fait, on va avoir des archers qui vont pouvoir aller bourriner sans problème trois des unités en face, et il reste les deux unités de mêlée légère qu'on pourrait typiquement aller récupérer avec un golem de granit. Maintenant, astuce, vous avez aussi des unités spécialisées au camp d'entraînement, donc qui sont plus efficaces contre l'unité qui est deux camps plus loin. Par exemple, les cerbères sont monstrueux contre les mages, et vous avez aussi donc le camp des mercenaires qui fait des unités qui sont très efficaces contre un cran plus loin, donc par exemple les crapauds, enfin les grenouilles, pardon, fainéantes, qui sont très 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 bonnes contre les unités de mêlée. Donc ici, ce qu'on va faire, comme je le disais, c'est partir sur la base de, ma foi, je vais mettre des archers, tout ce qu'il y a de plus standard, on va en mettre 3, et je vais mettre aussi des crapauds, des grenouilles, qui vont être efficaces contre les unités de portée légère. Autre point, quand vous regardez en détail ce qui se passe, vous avez toutes les caractéristiques de votre unité qui sont visibles. Donc la partie attaque à proprement parler va avoir des modificateurs selon que vous êtes contre une unité pour laquelle vous êtes très efficace ou pas. La partie point de vie, c'est des points de vie, hein. La portée, ça vous dit explicitement à quelle distance vous allez pouvoir taper, ça va être très important. La vitesse de déplacement et l'initiative, sachant que les unités à l'initiative la plus forte tapent d'abord. Donc ça, on va le revoir un peu plus en détail en situation. Donc ici, écoutez, on va mettre deux grenouilles fainéantes pour pouvoir contrer assez vite les deux unités de portée de mêlée.
Et on va rajouter donc trois archers généralistes. Vu ce qu'on a à faire, ça doit le faire globalement. Donc combat manuel. Comme vous pouvez voir ici, en fait, vu les portées dont on dispose, on ne va pas pouvoir attaquer directement les unités qui sont loin. Tant qu'à faire, on va commencer à bourriner un petit peu ces unités-là. Attention quand même, à quelle distance est-ce que les unités légères tapent? Donc là, bah, ça risque d'être un petit peu chiant. Alors, globalement, l'initiative. Donc, vous voyez ici que vous avez d'abord vos unités de portée légère qui vont taper. Ensuite, vous avez le mage ennemi. Ensuite, vous avez l'orc ancien qui est très efficace contre les unités de portée légère. Donc, il faut faire très attention à celui-ci. Et vous avez enfin l'unité de mêlée légère standard, le voleur, qui n'est pas si méchant que ça. Donc, globalement, lui, il vient jusqu'ici. Sachant qu'en fait, la portée de nos unités. Bah, l'air de rien, c'est à 4, donc on peut s'en sortir parce que bah, on va pas trop s'approcher en vrai. Ah bah c'est bien, on l'a eu par surprise, donc on s'en est débarrassé. Donc attention là aussi. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit? Bon, on peut s'avancer tant qu'à faire. Ici, je peux éventuellement essayer de le bourriner, mais je le sens pas du tout parce que je vais me le reprendre dans la gueule. Donc en fait, je ne bouge pas et j'attends. Donc je vais me prendre une attaque du magot, c'est pas très très grave, il n'est pas très violent contre les verts. Et là, j'ai ma bleue qui arrive, dont il faut absolument que je me débarrasse rapidement. Un coup de grenouille, tout va bien. Donc du coup, l'autre grenouille va pouvoir commencer à régler son sort à l'unité de mêlée légère, sans trop de soucis. Et là pour le coup, bah, j'ai plus ou moins les coups d'œil franches. Alors il y a le petit souci qui est que si je m'approche un petit peu trop, vu la distance, je vais me prendre l'unité de mêlée légère, donc il faut que je fasse attention à ça. Donc si je viens ici explicitement, je devrais être tranquille. Voilà, je m'en suis débarrassé. Donc je vais pas m'emmerder. Vu les risques, je vais même pas bouger. Je vais les laisser venir. Voilà. Donc les grenouilles fainéantes se débarrassent de l'unité de mêlée légère qui reste. Je peux même me payer le luxe de taper donc très mal sur l'unité de portée lourde, de mêlée lourde. Ah zut, je me suis un petit peu approché. Bon, c'est pas très grave, on va le finir ce tour-ci de toute façon. Donc excellent exemple de combat, comme vous pouvez voir. On voit la portée, surtout, on voit que les dégâts sont très 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 fortement modifiés en fonction de ce que vous avez comme unité en face. Deuxième combat donc. Ah bah c'est nickel en fait. Donc là j'ai surtout du violet en face, donc typiquement bah, ça serait pas mal de faire des rangers, ils sont pas à fond donc ils vont faire 4 contre du mage. Est-ce que je peux faire plus marrant? En fait oui, je peux faire plus marrant parce que j'ai beaucoup de violet en face, donc typiquement je pourrais m'amuser à sortir 4 cerbères, et du coup il me reste le rouge à faire, et le rouge, bah, en fait, je peux lui défoncer sa truffe à coup de dryade vénéneuse. Alors, le positionnement des unités sur le terrain, c'est toujours marrant. Vous avez envie de mettre les unités, on va dire, qui ont besoin de bouger en tête, parce qu'elles vont être devant, finalement. Bon, ici, j'ai mis ma dryade vénéneuse tout en fond, vous allez voir où est-ce qu'elle va terminer sur la carte. Donc il y a un petit peu d'habitude, il y a ici les dryades vénéneuses qui sont en fait qui ont la meilleure initiative, sachant que derrière on va se prendre les magots derrière. Donc je ne suis pas suffisamment loin pour pouvoir faire quoi que ce soit d'intelligent avec, donc je ne vais strictement rien faire en fait. Je vais laisser bouger tous mes magots. Il n'y en a aucun qui tape du coup, ça c'est cool. Bon celle-là elle est morte, hein. Voilà. Et ensuite, bah, je peux avoir envie de me repositionner par rapport au reste. Donc pour l'instant, il ne va rien se passer.
Donc il faut surtout que je fasse attention à rester loin par rapport à cette unité-là. Donc typiquement, donc là pour le coup, est-ce que je suis à distance pour me prendre les magots dans la gueule? Je pense pas en fait. Faut que je vérifie. Donc cette unité-là, en fait, elle porte à 5 et 2. Donc si elle bouge de 2 et 5, non, ça fait rien. Il y a juste cette unité-là qui va m'emmerder un petit peu. Donc globalement, je vais commencer à me positionner par rapport à elle, on va dire. Hop, fouch. Voilà. Et je vais aussi commencer à me positionner par rapport à ça. On va s'arrêter là. Pareil. Voilà. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention à ne pas rester trop près. Est-ce que j'ai envie de jouer? Ouais. Bah oui, hop, tac. Contact. Toi, t'es mort. Voilà. Celui-là pour essayer de taper celui-là, mais c'est pas du tout une bonne idée, donc on va reculer. Carrément. Ouais, non, on va rester là, c'est pas mal. Celle-là, ben, on va commencer à se préparer pour brûler les autres. Celui-là aussi, en fait. Par derrière, pour le coup. Ah, c'est bien, il suit. Donc, reculons d'une case. Brûlons lui. Pas tout à fait mort, mais pas loin. Ouais, globalement, sur un malentendu, ça se tente, hein. Voilà, il est mort. Tout va bien. Bon, on va commencer par essayer d'annihiler celui-là. Tranquille. Et il n'y a plus qu'à finir mon dernier match fleuri. Ah, pas tout à fait, si. Voilà à peu près comment ça se déroule. Pour l'instant, c'est des combats faciles, mais ça vous donne un petit peu une idée comment éviter de se prendre trop de dégâts dans la truffe. Toujours un combat simple. Donc, qu'est-ce que j'ai en face sur ce tournoi de marbre? Du rouge et du jaune. Ah, et puis toujours ce genre de truc. Donc là, globalement, je peux essayer de m'amuser comme ça. Est-ce que j'ai quoi que ce soit qui brûle du vert? Oui, j'ai quand même des dryades en face. Bah écoutez, on va refaire encore la même un petit peu, hein. Globalement, ça a l'air pas mal. Donc là, est-ce que je peux taper sur quoi que ce soit d'autre? Non. Donc c'est lui qui va prendre. Voilà, il est mouru. Est-ce que celui-là peut taper? Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, je suis sur du vert contre du jaune et il va me bourriner la truffe. Donc non, je vais pas faire en fait. Je vais attendre. Voilà. Donc j'ai un bleu qui va s'en prendre très fort. Voilà. Donc lui, on va le tuer. Il faut vraiment s'en débarrasser. Et on va attaquer celui-là à mon coup, donc il va pouvoir taper une fois. Même pas en fait. Trop bien. Bon. Donc toujours pas. On va aller bourriner les autres tranquillou. Quitte à être au contact. On sait très très bien qu'avant que lui y retape, les grenouilles auront tapé. Donc ça ne fait strictement rien. On peut attendre. Voilà. Et donc, finir. Finir. Voilà, je crois que je me suis pris un dégât une fois. Donc là, il avance. Donc il tape en fait à une case, mais il bouge de deux. Donc vu que moi je tape de beaucoup plus loin, je peux reculer jusqu'ici et lui brûler la truffe. Des fois qu'il se défende, hein. On sait qu'il n'y a pas trop de risques en fait, globalement. Fonctionnement des tournois dans le nouveau modèle. Il y a beaucoup plus de variété sur les troupes en face, même si vous avez quand même des constantes. Vous verrez que j'utilise assez régulièrement les mêmes unités parce que bah, j'ai à peu près la même chose en face. Il y a des cas où c'est quand même un peu plus monocolore.
Donc par exemple ici, vous voyez encore, c'est un truc où j'ai pas mal de rouge en face, et un petit peu de vert, ce qui n'est pas très gênant, un petit peu de bleu, ce qui est toujours rigolo. Donc on va refaire exactement la même combo, ça marche très très bien, c'est un tournoi de marbre, hein, tout ça. Sachant qu'il faut surtout que je fasse très attention à ne pas me prendre le bleu sur la truffe, parce qu'il fait très 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 mal sur les verts pour le coup. Vous voyez ici par exemple que je peux taper en équivalent, mais du coup, pour pouvoir y taper à 4 de distance, il faut que j'aille jusque là. Et donc ça veut dire que je peux me le prendre si je fais pas gaffe. Faut que je passe par ici. Et là c'est bon. Donc par exemple, si je viens ici, je me prends l'autre sur la truffe, vu qu'il va bouger avant moi, c'est pas tip top. Par contre, je peux venir jusqu'ici, ça coûte pas grand chose. Et pareil pour celui-là, il peut venir ici. On est tranquille. Donc là maintenant j'ai le vert qui tape un petit peu, faut bien se prendre un peu de dégâts. Comme vous pouvez voir, le bleu n'est pas tout à fait à la bonne distance. Tant pis pour cette truffe. Voilà, il est presque mort. Voilà, on s'est débarrassé de l'unité la plus dangereuse, on va pouvoir jouer. Donc là, il faut juste faire attention à ne pas se retrouver au contact avec les autres. Ma foi, vu la distance, c'est bon, je peux tirer là-dessus, tranquille. Ok, voilà, normalement je prends plus un seul dégât. Attention parce que ces unités de mêlée, il y en a certaines qui tapent à 2 de distance. C'est celles qui ont des longues lances, hein, c'est pas très dur à repérer. Ouais, bon, un peu trop facile. Donc on va me taper avec des unités pas efficaces, comme vous pouvez voir, moins 19% à l'attaque. Alors les pourcentages d'attaque, comme on est sur à peu près les premières rondes, en fait, moi j'ai des unités qui sont généralement 2 ou 3 étoiles, alors que j'ai des unités une étoile en face. Sur les rondes suivantes, ça va être un petit peu plus chaud quand même. Ça c'était juste pour la gloire de reculer d'une case, hein, histoire d'éviter de me le reprendre dans la truffe si d'aventure il survivait, sachant très bien qu'il y avait peu de chances que ça se passe comme ça. Donc quand vous montez un petit peu dans les chapitres, en fait, les unités spécialisées, c'est vachement bien. Quand elles sont 2 ou 3 étoiles face à des 2 ou 3 étoiles en face, elles sont incroyablement plus efficaces et elles vont vraiment défoncer les ennemis en face. Donc là, on a encore un cas avec surtout du bleu, un petit peu de vert et un peu de rouge. Donc globalement, on va aller chercher le rouge assez facilement, il n'y a pas grand-chose. Donc il faut juste éviter de se le prendre sur les grenouilles. Accessoirement, si vous mettez que des grenouilles en face, d'une part, le rouge, vous allez lui faire très peu de dégâts. Et puis, les grenouilles, en fait, on ne les a pas vues bouger jusqu'ici, mais elles bougent que de une case, en fait, à chaque fois. Donc, si d'aventure vous vous retrouvez avec un train en contact, vous êtes vraiment dans la merde, parce qu'il va vous défoncer la gueule et vous allez quasiment rien lui faire. Il suffit d'avoir une unité de notre type en face, il faut juste faire attention à ce qu'elle ne se fasse pas exploser la truffe avant d'arriver au bout. Ça, sinon, vous êtes un petit peu embêté. Ok, donc il a plus de portée que nous, c'est un petit peu une question de bol en fait, pour le coup. Enfin, plus d'initiative, pardon. Donc on se l'est pris avant. Est-ce que ça vaut le coup d'aller bourriner quoi que ce soit en termes de distance? Ouais, parce que de toute façon, on peut jouer. Donc il y a lui qui est bloqué, il y a quand même beaucoup de bleu en face. Faut vraiment que j'arrive à aller choper lui. J'ai un petit peu de marge là-dessus. Comme il vient de taper. Alors celui-là il fait combien en fait? Parce que son itinéraire pour l'instant est bloqué par le vert. En vrai, elle fait seulement du 3 cases de distance, donc c'est bon, je suis peinard, je peux y aller. Surtout que je sais qu'il riposte pas. Voilà. Donc là c'est hyper important de se débarrasser des bleus. Donc il y en a deux qui sont monstrueux. Donc celui-là va arriver au contact et celui-là a des chances d'arriver pas loin d'être au contact aussi. Ça serait bien que je me débarrasse de lui et de l'autre aussi. Et de. Donc cette unité-là est suffisamment loin pour qu'on n'en ait rien à péter. Celle-là, il faudrait quand même bien s'en débarrasser à mon coup. Ouais, je pense qu'elle est morte, de toute façon, elle tape pas, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc là, c'est fini. Il n'y a plus qu'à se débarrasser de lui, hein.
tranquille. Voilà. Donc normalement, manuel, c'est la situation usuelle avec les premières rondes. À savoir que vous prenez généralement une attaque en face et les autres attaques, même pas mal parce qu'elles arrivent même pas. Surtout sur ce type de tournoi, vous avez beaucoup beaucoup d'unités au contact ou à faible portée en face. Pour l'instant, on est sur des combats super faciles, hein, ceci dit. Comme vous pouvez voir, il suffit de taper une, éventuellement deux fois pour dégommer la truffe des gars en face. On a un petit peu la même chose avec du bleu et du vert pour changer. Attention au fait que vous avez de l'unité de mêlée lourde qui va bourriner de l'unité de portée lourde. Et vous avez aussi un peu de magot. Donc typiquement, il va falloir du rouge. Enfin, des choses du vert efficace contre le rouge, et puis il va falloir aussi, comme d'habitude, du bleu. Donc on va refaire à peu près la même combo. Cette fois, on va prendre des archers à peu près standard. Combien j'en mets? 2 ou 3? 3, c'est pas mal parce que vous avez quand même le magot en face qui va nous embêter sinon. Et donc 2 grenouilles. Donc là, je peux bourriner lui. Est-ce que c'est intéressant? En fait, oui, il faut juste que je fasse gaffe où est-ce que je me retrouve. Donc, il arrive jusque-là. Si je l'attaque de par ici, je me le prends dans la truffe. Donc, c'est pas drôle du tout. Ok. Donc, on va bouger jusqu'ici. Là, je sais que je prends rien. Et je peux quand même me débarrasser du magot. Ok. Donc il y a celui-là qui serait pas mal, mais je ne peux rien y faire pour l'instant. Et celui-là non plus. Je vais pas trop m'emmerder, je vais venir ici, ça a l'air bien. Hop, tuc, pouf. Ok. Donc il faut absolument que je me débarrasse de lui. Ça ne devrait pas poser trop de soucis. Et donc, attention, ce truc-là c'est du rouge, je suis très content de m'en débarrasser. Donc, si je recule d'une case, si je viens ici, est-ce que ça marche? Sans problème. À la base, hein, on va commencer à dégommer sa truffe à lui. Hop, voilà. Celui-là est mort pour le coup. Et c'est à eux. Je me prends une petite attaque ici. Donc là, il faut absolument que je me débarrasse de celui-là en priorité. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Presque fini. Bon, là, de toute façon, je vais avoir du mal à reculer pour pas être à portée. C'est pas très intéressant, surtout qu'on va essayer de le finir. Voilà. Et j'ai plus qu'à essayer de me débarrasser du verre. Bah tranquille. Donc comme vous pouvez voir en manuel, c'est quand même relativement efficace. Là j'ai une seule unité qui a pris des dégâts et elle s'est pris allez, un petit quart de sa vie quoi. C'est un peu embêtant, j'ai toujours pas de monocolore. Donc là, pour l'instant, j'ai un truc qui est assez sympa, puisque j'ai du rouge et du jaune. Il faut juste que je me méfie du vert qui va vraiment m'emmerder. Donc là, c'est peut-être le premier cas de figure où on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu intelligent. Donc il faudrait que j'aille bourriner du vert, tranquillou. Donc bourriner du vert, ça peut se faire par exemple avec les chevaucheurs et les venimeux, qui marchent vachement bien. Donc il faut absolument que je le mette en tête, de manière à aller dégommer la truffe du vert en priorité. Et derrière, je vais mettre donc 4 sorcières usuelles. Donc vous allez voir le positionnement sur le terrain. Hein. C'est hyper important. Je viens m'en trouver avec mon unité de mêlée au centre. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fait un petit peu de mal quand même. Je vais pouvoir aller taper les unités à distance de préférence. Tac, hop.
C'est parti. Donc là, pour le coup, j'ai pris quasiment la moitié de ce qui n'allait pas. Je peux pas taper les autres. Allez, on va quand même taper. Je sais que ça risque de riposter de mémoire. Bingo. Oh, ça va, ça n'a pas été trop méchant. Donc du coup, je peux lui finir. Presque. Ok, en vrai, j'ai même pas eu besoin du chevaucheur. Donc le chevaucheur, elle est venimeux, bah, il va strictement rien faire. J'espère que la jaune ne va pas m'embêter. Ça va en termes de distance. Donc il faut juste que je fasse gaffe comment je prends les choses. Bah, ma foi, on va faire le tour, c'est pas mal ça. Tac. Au revoir. Et j'ai plus que deux unités de mêlée à me débarrasser. Attention, hein, faut pas que je m'approche trop. Alors comment je regarde en fait? Je regarde cette unité, je vois qu'elle bouge de deux cases, donc elle n'arrive pas jusqu'à mon contact. Celle-là, je peux aussi y aller. Ah merde, il m'a trop approché, bordel. Je vais m'en prendre. Bon bah tant pis, hein. Fuck. J'aurais pas dû, j'aurais rien pris du coup. Bon, bah, il n'y a plus qu'à le finir. Hein. De toute façon, c'est tranquille. Un dégât de trop, j'ai fait une erreur. Parfois, donc, ça vaut le coup de ne pas bouger de manière à pas se prendre l'attaque, de manière à pouvoir lui exploser la truffe à distance sans prendre quoi que ce soit. Là, on commence à rentrer dans des tournois un petit peu rigolos. Alors, ok, bah encore un peu la même chose avec un petit peu tout en face. Et puis, bah, ici, on a un rouge qui va m'embêter. Donc, typiquement, alors on va faire une combo un peu marrante. On va jouer avec des crapauds, enfin des grenouilles, 1, 3, 4. Oups, seulement 4. Et on va mettre une princesse fleurie pour se débarrasser du rouge. Là encore une fois, faut pas que je me trompe trop. Bon, il y a un jaune aussi en face. Allez, on va mettre deux princesses fleuries. Hop. Donc les princesses, fort logiquement, vont être au milieu. Et je pense qu'elles ont une initiative supérieure aux crapauds. Donc effectivement, elles vont taper d'abord. Donc les princesses, de préférence, c'est sur ce genre de choses. Voilà. Tac. Autant se débarrasser d'un jaune. Si je tape là-dessus, je vais me le reprendre dans la truffe, donc c'est pas une bonne idée. Donc on va rien faire avec cette princesse. On va la bouger un petit peu de manière à pouvoir taper au tour d'après. Voilà, tranquille. Oups. Donc, priorité. Finir lui. Ah, il faut les trois. Bon, tant pis. Ok, donc le jaune va m'embêter un peu, pas trop. Et le vert va m'embêter un peu, mais pas trop. Donc se débarrasser du jaune en priorité. Voilà, j'ai la distance, je suis tranquille. Voilà. Donc il a bougé, donc je suis tranquille, je vais pouvoir reculer. On va d'abord finir le vert. Voilà. On va pouvoir faire quelques dégâts sur la bleue qui reste. Ah, attention. Donc, bah là, je suis à une distance suffisante. Alors, vu comment ça marche, on va bouger ici et on va taper. Ça a l'air bien, ça. Au revoir. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, si je viens ici, je peux effectivement lui faire quelques petits dégâts. Toujours faire attention à jamais se faire taper par les bleus, sinon on est très mal. Et ma foi, bah c'est pas mal tout ça. Donc j'ai perdu à peu près une demi-unité. Vous voyez que j'utilise quasiment toujours les mêmes unités, c'est lié à ce que j'ai en face.
Donc là, c'est très chouette parce que, comme vous pouvez voir, j'ai exclusivement la même chose en face. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je peux faire soit des dryades vénéneuses qui sont très efficaces contre les rouges, soit je peux faire des princesses fleuries qui sont aussi très efficaces contre les rouges. Globalement, ça se vaut. Normalement, je vais rien prendre en termes de dégâts. Donc, histoire de pas m'embêter, les princesses fleuries, ça tape à 5. Les dryades tapent que à 4. On va jouer avec les princesses fleuries. C'est juste un petit peu plus simple à faire, puisque pour le coup, je ne devrais jamais toucher. Attention, ceux-là vont taper à 2, faut sans doute s'en débarrasser d'abord, et ceux-là vont taper à 1, faut s'en débarrasser ensuite. Typiquement, vous voyez, il bouge de 2, il tape à 2, il bouge de 2, il tape à 1. Globalement, il n'y a pas photo. Donc là, comme on n'a que des unités identiques chez nous, on va voir initiative égale dans quel ordre ça se fait. Vous pouvez voir que on va d'abord avoir les unités qui sont des deux côtés, et ensuite les unités médianes, et puis celle qui est totalement au centre. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop à se poser de questions, surtout qu'on est vraiment en mode carreau tranché. Il faut faire juste attention que depuis ici jusque-là, ça tape. Donc on va plutôt essayer de passer par les côtés, ça a l'air plutôt plus intelligent comme façon de faire. De manière à avoir toujours au moins deux unités pour embêter, sachant que pour la dernière on peut la foutre ici, puis qu'on est parfaitement capable de la reculer s'il faut. Ah, c'est cool, on commence déjà à taper. Donc là l'objectif c'est zéro dégâts chez nous. C'est faisable, si si. Donc lui, il est presque mort. Puis lui aussi, en fait. Au revoir. Et le 1. Donc celui-là peut taper là. S'emmerde pas. Globalement, on se pose pas trop de questions. On se contente de taper là où on peut. Tant qu'il s'approche pas trop, on est tranquille. Donc voilà, on a encore plein de marge pour le coup. Donc ceux-là, il faudra faire un petit peu attention à pas trop se les prendre. Ça a l'air pas mal pour le coup. Voilà, toi t'es mort. Alors, en termes de distance, qu'est-ce que ça donne? Donc là, j'en avoir deux. Donc globalement, je prends pas trop de risques. Ouais, de toute façon, il est mort au premier coup. Celui-là est mort aussi, du coup. Voilà. Puis les autres, on se fatigue même pas les bouger parce que de toute façon ils vont servir à rien. Première étape, c'est celui-là. Ouais, zéro dégâts, comme annoncé. C'est un des intérêts du combat manuel qui est que on peut prendre des décisions un petit peu intelligentes, comme ne pas s'avancer pour ne pas risquer de se prendre des coups quand on sait qu'on peut les avoir à distance. Du rouge, du violet, du vert. Donc la façon simple de faire, ça serait d'y aller bêtement comme ça. Si on veut faire un petit peu plus intelligent, on peut essayer de brouiller du vert en face. Est-ce que ça vaut le coup? Allez, on va essayer. Ça a l'air marrant. Je suis joueur. Donc on va mettre des trucs sur du vert. 1, 2. Ouais, je peux même en mettre 3. Allez. Et du vert de base. Voilà. Donc toujours pareil, les unités qui doivent bouger sont d'abord, même si en termes d'initiative c'est pas tip top. Combien de distance? Ma foi, ouais, on va essayer de brouiller le vert quand même. Voilà. Est-ce que j'ai assez? Oui. Ah, attention, par contre, je vais me prendre le rouge dans la truffe. Pas grave, on va faire avec. Voilà. Donc celui-là ne peut pas bouger, hélas. Je suis arrivé à me le coincer. Celui-là va pouvoir venir jusqu'ici. Ça permettra de se débarrasser assez vite du magot. Ouch, c'est cool. Il a bougé au mauvais endroit.
Donc personne ne peut me taper dessus. Donc je vais pouvoir bourriner sans problème ces unités-là. Hop! C'est un peu chiant. Voilà. Celui-là ne peut rien faire et celui-là va pouvoir venir ici et finir celui-ci. Voilà. Donc je vais quand même prendre un coup de hache dans la truffe. Voilà. Une demi-unité qui y passe. Pour le reste, ben ma foi, au revoir, hein. Je peux même y aller au contact pour finir. Tranquille. Donc les ripostes, bah vous les prenez sauf si l'unité d'en face est morte. Donc pour finir une unité, même si vous risquez de prendre une riposte, c'est pas très très grave. Du rouge et du jaune et du violet. Bah ouais, ma foi, on va y aller tranquille. Pas de raison de s'embêter pour le coup. On pourrait faire plus subtil. Mais il y a des combats qui sont compliqués, donc parfois les combats simples, ça vaut le coup. Donc il y a celui-là qui a bougé. On va juste prendre le canonnier dans la truffe. Pour l'instant, on va rien faire, sauf si on peut exploser la tranche du canonnier. Voilà. Et du coup, bah, ma foi, si je peux aussi exploser. Ah, presque. Ouais, c'est bon. Ah bah ça va être un zéro dégâts du coup. Donc en termes de distance, je peux me permettre de me repositionner tranquillou. Faut juste que je fasse gaffe. Ah non, j'ai quand même un petit dégât. Donc pensez à reculer d'une case de manière à pas se prendre l'avance. Celui-là ne peut rien faire sans se prendre de dégâts, donc il ne va rien faire en fait. Mais putain, ah merde. Bon, pas grave. Voilà, on est quand même mort. Désolé, j'ai cliqué au mauvais endroit, ça arrive. Donc là, ben ma foi. Ok, donc je suis obligé de me débarrasser de lui. Puisque je suis au contact en fait, hein, vous voyez, typiquement. Attention au fait que si je ne bouge pas, ce qui serait possible, je me prends les dégâts de l'autre. Donc on va venir ici. Là, je suis tranquille du coup. Est-ce que ça vaut le coup? Non, pas du tout. Je vais juste reculer d'une case. Donc comme je porte à 3, sauf erreur. Je ne fais rien ce tour-ci, je vais le laisser venir de manière à tous me les prendre d'un coup. Et pareil ici. Ah, j'aurais pu reculer d'une case de plus, je suis mauvais. Ok. Là, c'est au revoir. Pris un dégât de trop parce que j'ai fait une erreur. Je suis pas très bon à ce jeu en fait. Donc, province 12. Commence à être un petit peu plus rigolo à faire. Bon, non, pas trop en fait. Donc, il y a une prédominance de rouge. Donc, on va pas s'embêter. On va aller chercher les princesses Flory. Donc, priorité si on peut à se débarrasser des violets et des jaunes. On se positionne tranquille, hein, de toute façon. Voilà. Ah! Alors, pourquoi le violet ou le jaune? Le violet, je suis à égalité, donc il va me faire quelques dégâts, mais pas tant que ça. Le jaune va me faire moins de dégâts, par contre, il est quand même beaucoup plus facile à dégommer. On va voir si ça passe. Tranquille. Une unité de moins qui me fera jamais de dégâts. Donc ça aussi, c'est un des principes des combats, c'est si vous pouvez finir une unité, c'est toujours préférable
à en attaquer plusieurs à la fois, quasiment. Et donc celui-là, je suis pas à distance pour, mais par contre je peux commencer à faire quelques dégâts. De toute manière, je sais que je vais me prendre la violette dans la truffe. J'ai pas tellement le choix. Donc l'attention, faut juste que je fasse attention à ne pas me prendre les rouges parce qu'ils sont quand même pas très gentils globalement. Donc c'est pas très très grave si j'ai les unités de mêlée lourdes qui protègent mon magot. Je vais quand même m'en débarrasser en priorité. Ça a l'air pas mal. Et du coup, on va y voir beaucoup plus clair, il reste plus grand-chose en face. Donc je vais encore me prendre une attaque du magot. Mais c'est sa dernière. Enfin, il y aura peut-être une riposte. Hein. Non, il riposte pas en fait. Donc là, d'abord taper sur le tréant, parce que j'avais pas tellement de choix, mais de toute façon, c'était préférable de le faire des unités qui étaient plutôt en haut, de manière à pouvoir réserver le reste pour le magot. Et puis bah ma foi voilà quoi, j'ai perdu allez, une unité complète au total. Donc vous voyez, plus on avance dans les tournois, plus c'est difficile. Et du coup, bah, plus qu'on se prend en face, c'est un petit peu méchant. C'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre petit bout par petit bout. Parce que typiquement, si vous démarrez avec des tournois super durs dès le départ, vous n'allez pas vous en sortir. Donc. Province 13. Alors vous notez en parenthèse que si on se met à faire un tournoi un peu bourrin, on récupère plein 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 de points de connaissance sur ce round-ci. Ce qui est franchement cool pour faire progresser les merveilles. Oh bah ça a l'air bien ça. Donc je pourrais jouer comme ça, mais c'est pas super intéressant. On va essayer de faire un petit peu plus fin comme on est en manuel. Donc globalement, bourriner du rouge. Si j'y vais avec du vert, c'est bof. Là, c'est un peu plus sympa. Donc, on va se sortir. Alors, comme j'ai du rouge en face, on va y aller tranquille avec des trucs efficaces contre du jaune. Ou pas. Parce que je suis que à 2, donc c'est pas super intéressant. Donc, on va y aller avec du trait en standard. Ça, on n'avait pas fait encore. Donc, il marche très très bien contre un peu tout le monde. Et puis, pour le reste, donc il faut surtout se débarrasser du bleu. Qui est un bleu qui bouge beaucoup en fait, et du coup des princesses fleuries en face. Donc a priori les tréants je maîtrise pas trop, globalement il faut essayer d'en profiter pour bloquer un peu les choses, ce qui peut être pas mal. Donc il y a ce vert là qui m'embête pas pour l'instant, pas s'embêter, hop, clac, voilà. Donc la deuxième princesse, bah, elle peut pas faire grand chose pour l'instant. Est-ce que la troisième princesse peut faire un truc? Oui. On va savoir en termes de distance, on peut brûler. Donc. Donc celui-là ne peut rien faire encore. Alors on va essayer de se débarrasser de lui sans arriver au contact. Ça a l'air bien. Voilà, ça a marché. Le tréant lui a bruiné la truffe. Donc maintenant je suis à peu près tranquille. Alors attention, donc cela c'est au contact, cela c'est à distance. J'ai combien en princesse? Je suis sur du 4, hein, c'est ça? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça veut dire qu'il faut quand même que j'avance d'une case, ce qui est un peu la merde. Donc on va pas s'embêter, on va d'abord faire les trancheurs. Voilà. Bon. Même pas mal, même sur du rouge, il fait pas si mal que ça en fait. En équivalent, ouais, il faut quand même qu'il fasse des dégâts. Hein.
Ah bah c'est bon, ça l'a fini, c'est bien ça. Donc des princesses. Est-ce que celui-là peut me faire quoi que ce soit? Non. Par contre, je suis trop loin pour le reste, donc on va essayer de brouiller lui en priorité. Voilà. Et la dernière princesse ne peut rien faire. Il y a des terrains qui sont chiants parfois. Donc si j'avance jusqu'ici, c'est pas mal. Je vais prendre un jaune. Plutôt le rouge. Tant pis. On va le faire comme ça. Deuxième canonnier qui fait quasiment rien comme dégâts. Rouge versus jaune. Ah ben voilà. Donc pas mal de petites décisions. Là, on commence à se prendre quelques attaques en face, mais comme ils sont plus loin que nous, bah, globalement ils se prennent en rien. Il y a juste le bleu qui aurait pu nous faire chier, mais il s'est fait tuer en un coup avant d'avoir pu taper. Donc typiquement, je vais aller à plus d'une vingtaine de provinces. Là, on commence à avoir des trucs qui sont un petit peu plus marrants, où on va peut-être potentiellement commencer à perdre des unités. Du rouge et puis du vert, bah ma foi on va pas s'emmerder, on va y aller à coups de rouge et puis du vert. Hein. Alors je sais que j'ai des unités à peu près similaires en face, sauf que oui en fait, sauf qu'elles sont pas spécialisées, et c'est des 3 étoiles. A priori elles bougent plus vite que nous, mais on est 5, ils sont 2, donc ça devrait se passer. En termes d'unité, pardon, en termes d'initiative ils ont tapé avant nous. Donc on va commencer à se débarrasser de celui-là, ça a l'air bien. Il va riposter bien sûr. Voilà. Donc lui je crois qu'il a perdu à peu près tout ce qu'il avait à perdre. On va avancer, on va pas s'embêter. De toute façon, lui il est mort au tour d'après. Deuxième unité de mêlée légère, de portée légère qui peut taper. Celui-là, je sais qu'il riposte pas d'habitude. Donc, vu la distance, on va venir ici quand même. Des fois qu'on n'arrive pas à le finir ce tour-ci, ce qui pourrait se produire. Ah. C'est le cas. Donc plus rien. Et je vais me prendre une deuxième fois celui-là. Voilà. Donc lui il est mort, tranquille. Donc c'est bon. Ah, j'aurais dû m'avancer, je suis un peu con. Donc si je viens ici, je vais pouvoir taper une deuxième fois. Pas tout à fait assez. Ah. Ok, si je tape d'ici, ça va pas le faire. C'est ballot quand même, je me prends une deuxième attaque. Voilà. Donc. 2. Troisième. Il me reste donc plus qu'un tréant, je m'en fiche un petit peu. Donc je ne prends plus de dégâts normalement. Sauf si je déconne, mais ça doit aller. Je pense que même en semi-auto, ça passe. Perdu à peu près une demi-unité au total. Ce qui est pas mal, on était quand même pour quelque chose comme province 14. Alors, du rouge et du jaune, ça a l'air bien, il y a juste un jaune qui va m'emmerder. Donc, dans l'ensemble, pas mal de façons de faire. Là, ça commence à être un petit peu chiant pour le coup. Faire du rouge et du jaune, il y a du vert en face. J'en suis ici qui va vraiment m'embêter. Plutôt du rouge. Et plutôt des efficaces contre ceux-là. Donc on va coller 3 stratégorques, ça a l'air bien. Et on va mettre 2 princesses fleuries. On va essayer de voir ce que ça donne comme combo ce truc-là. Ça a l'air pas mal comme plan.
princesse commence à m'emmerder. Donc princesse Laurie, comte du vert, je peux faire rien du tout avec ça. Donc on va plutôt taper celui-ci parce que je sais qu'il riposte pas. Pour le coup, c'est pas mal. Ah, il est presque mort lui en fait. Donc. Ok, toi t'es mort. Toi aussi. Alors j'ai fait dans cet ordre-là parce que lui j'étais sûr qu'il tapait et celui-là j'étais pas sûr. Voilà. Donc il me reste du jaune en face, c'est à peu près tranquille. Et des rouges. Sachant que les rouges, bah, les princesses vont pouvoir se les taper tranquille. Avec de la marge. Ok, celui-là va un peu m'embêter. Je peux taper en étant protégé, c'est vraiment pas un souci. Au revoir. Petit dégât de plus. Voilà. Bon, celui-là pour rien faire. Voilà. Donc. Et là, donc, je vais peut-être me prendre un dégât. Alors, je tape à combien en fait? Je tape à 3, je crois. Ouais, c'est ça, je tape à 3. Donc, je peux éventuellement m'amuser à reculer pour éviter de me le prendre. Ça a l'air bien comme plan. Donc, sur le principe, plutôt que de taper, c'est lui qui va s'approcher et qui va se prendre, mais alors tout le monde sur le coin de la truffe. Voilà, 1, 2, troisième, et voilà, comme ça, pas de dégâts. Donc ça, c'est surtout, c'est hyper important, il faut penser à reculer une fois de temps en temps, de manière à pas leur laisser la possibilité de vous toucher. Si vous pouvez balancer 5 gugus, 5 troupes sur une troupe en face, c'est quand même vachement mieux. 16e province, ça commence à être un petit peu des choses sérieuses, un peu plus. Donc... ouais, c'est bien ça. Et il reste du jaune en face. Bah écoutez, ça fait une chouette combo en fait. Et par rapport à... Qu'est-ce qui me reste? Bah j'ai tout le monde en fait, hein. Donc là, pour le coup, il y a un petit peu de vert en équivalent. Faut que je fasse attention à... exploser la truffe, les autres, bon ça va quoi. Hop. Voilà, j'avoue, je suis presque en automatique en fait. Voilà. Du vert qui va m'embêter un peu. Du violet sur du vert, c'est moyen. Mais je sais que ça riposte pas, donc je vais quand même faire tranquille. Waouh, bien ça. Ok. Il faudra absolument que j'aille choper le jaune. Ça doit aller. Bon, ça va, ils en mettent pas les bons. Pour beaucoup. Le vert sur le violet en priorité. Ou sur le rouge, on va surtout pas toucher le jaune. Donc le violet sur le jaune, tranquille. C'est bon, je suis presque tranquille pour le coup. Alors je me fais un peu taper dessus parce que là pour le coup ça commence à être compliqué, donc je me préoccupe surtout de savoir qui va me taper et pas trop de bah, comment je vais faire des dégâts. Donc là il faut absolument que je recule au moins peu. Voilà.
Donc ne pas taper le vert parce que je sais que je vais prendre très cher. Donc je suis vert contre vert. Plus qu'à finir. Sachant qu'il riposte pas. Et ça se passe plutôt pas mal. Globalement, j'ai perdu une unité et demie à peu près. Pas tout à fait. Donc j'ai du jaune et du vert. Bah, ma foi, on va le faire à coup de jaune et de vert. Hein. Ça a l'air pas mal pour le coup. Surtout que je suis sur du 3 étoiles moi aussi. J'ai pas trop l'habitude de jouer stratège orc, mais il n'y a pas de raison, ça devrait bien se passer en fait. Donc les verts vont de toute façon prendre très cher. Donc il y en a deux qui sont mortes et il n'y a plus qu'à avancer pour la suite. Voilà. Bon, évidemment, ces gros balourds bougent pas suffisamment bien, mais c'est pas très grave. En fait, là je suis quasiment en mode combat automatique, j'aurais pu le lancer en auto, c'était pas vraiment gênant. J'aurais pu m'avancer plus en fait, comme, vu que tout le monde est à distance. Pas s'emmerder. On va rush. Donc grosse erreur, en fait je sais pas les gérer, je peux y aller comme des bois. En mode je m'avance systématiquement. Donc toi t'es mort, j'espère. Voilà. Toi tu vas crever aussi. Hop. De façon à avoir un maximum de gens qui tapent. Donc dernier round. Tout le monde est mort. En face. Bon, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû plus rusher en fait. Ça m'aurait permis de perdre un petit peu moins, je pense. Du rouge et du bleu, ça a l'air bien tout ça. Bon, bah ça va être la combo classique, hein. On va mettre une grenouille en face et plein de dryades. Les dryades pour les rouges, la grenouille pour le bleu. Faut juste faire gaffe à ce que le bleu n'arrive pas à porter des dryades. Oh bah ça va. Donc je peux me permettre d'avancer. Tranquille, tranquille. Donc surtout ne pas aller trop vers le milieu au départ, de façon à pouvoir taper tranquille. Voilà. Et demain. Presque fini celui-là. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit la grenouille? Elle me dit qu'elle a pas tapé assez fort. Ouch, c'est pas drôle ça. Bon. Donc, faire attention en termes de portée. Celui-là, je suis tranquille, je peux y aller. Rien sur celui-là. Reculons. Merde. Ok, je vais me faire taper une fois parce que j'ai pas fait gaffe que la portée était la même. Donc, ah celui-là aussi, j'ai fait de la merde. Putain, je suis pas bon sur ce. J'ai tout raté. Donc, on va venir ici, on va essayer de finir lui. Ça, on va le faire. C'est bon. Bref. Alors, c'est quoi ma distance? C'est 4. Ouais,
sauf que si je le prends, je me le prends. Donc lui, c'est bon. Merde. Au revoir. Ok. Je fais que du caca, tout va bien. Encore une erreur, j'aurais dû bouger d'un cran. Donc, ouais, bon, là, avec 4 unités, c'est plié. De toute façon, je vais pas me faire chier à bouger. Ok, j'ai pris des dégâts que j'aurais jamais dû prendre. J'ai fait n'importe quoi, c'est un mauvais combat. Donc, en général, sur les dernières provinces, vous perdez de l'ordre. D'une unité par combat, voire plus. J'avoue que je suis pas très très bon quand je commence à perdre un petit peu, ça passe vraiment de tout le monde à rien quoi. Donc du rouge et du violet, ça a l'air relativement facile pour le coup. Donc là j'ai décidé de ne pas bouger parce que je pense qu'en fait, vu le déplacement de celle-ci, il va venir m'embêter, mais pas assez. Avec un petit peu de bol, j'ai des chances d'arriver à lui dégommer la truffe sans me prendre quoi que ce soit. Non, pas encore. Par contre... Peut-être m'en prendre, on va voir. Yes. Donc, vu les distances, ça va le faire. Ah, j'ai pris lui. J'aurais pas dû avancer. Attends. Donc, au revoir. Attention, il y a une lame. Que deux tréants, je pourrais passer en auto en fait. Ça devrait bien se passer logiquement. Donc 4 pour dégommer le dernier. Autant dire que ne devrait pas y avoir trop de soucis. Il y a juste lui qui prend pas parce que j'aurais dû m'avancer d'une case de plus. Mais c'est pas grave parce que j'ai de la marge. Donc, du rouge, du vert et du bleu. Bon, on va se refaire une combo, ça a l'air pas mal ça. Tech. Toujours à peu près les mêmes unités. Donc les dryades sur les rouges. Et les grenouilles sur les verts et les bleus. Ouais, enfin bon. Alors attention, il est où mon bleu? Il est là. Où il bouge? Est-ce que c'est intéressant? Non. Me faire chier en fait. Ok. De toute façon, il peut me faire chier. Donc. Ah, ok, je vais me prendre une attaque quand même. De toute façon, quoi qu'il arrive. Moi, oh, ça va, c'est une gentille. Faire attention à ce que je fais. Au revoir. Donc lui.
puis. C'est tout, j'ai pris une attaque. Le reste, ça va être rien. J'ai fait le con. Non, si c'est que deux cases, il tape au contact. Tranquille. Au revoir. Dernier essai, mais de toute façon, toi t'es mort. Voilà. Du rouge, du jaune et du bleu. Facile. Des princesses Flory et des crapauds. Attention, parce que quand même. Ouais, vu ce que j'ai en face. Allez, on va s'en mettre deux. Ça a l'air bien. Les Cerbères, c'est quand même violent. Surtout que l'air de rien. Quand même, Cerbère à 3 étoiles. Donc ça va pas être gentil. Donc les crapauds tapent avant. Ça, c'est cool. Oui, en fait, c'est pas mal parce que globalement, le terrain nous protège et ça, c'est trop bien. Donc, je vais en gros me prendre un jaune dans la truffe et ça va être tout. Voilà. Donc, pas prendre de risque. Je vais prendre des risques. Voilà. Les crapauds vont pas taper très fort, faut juste que je fasse gaffe à ce que je fais par rapport à ça. Ah, j'avais pas fait gaffe. Donc. Là. Ok, deuxième attaque, parce que j'ai fait le con. Reculer d'un cran parce qu'il faut pas déconner non plus. Au revoir. Du rouge et du vert, bah écoute, hein. Pas s'embêter, dégommer le vert en priorité si je peux au début. Ouais, il tape avant, bon, tout va bien. Ok, je Donc, faut quand même que je fasse gaffe à ce que je fais pour le coup.
Ok. Il tape pas, là il pourrait. Faut juste que je fasse gaffe à ce que je fais par rapport à ça. Ça c'est mort. Ça veut dire qu'il faut que je m'approche et que je me le prenne. Ça n'a pas l'air drôle. On va attendre. Donc là, ils sont obligés d'avancer. Et du coup, il peut pas taper une seule fois. Il se le prend. Ouais, non. La vraie question, elle est là, en fait. Voilà. Chier, hein. Trois dessus. Yes. Donc lui ne peut pas taper et il est mort. Quasiment pas de dégâts. Il y a des fois où ça se déroule très bien. Comme j'avais dit, 23e, c'est ma dernière. Rouge et jaune. Oh que des princesses fleuries. Essayer de se débarrasser du jaune en priorité, bien sûr. Et de jamais rien se prendre par rapport au rouge. Le jaune est ici. Toujours s'écarter. Est-ce que je peux taper? Non. Oui, on va taper. Voilà, comme ça, il fait moins de dégâts. Donc il avance et il est mort. Tous les autres sont en contact, donc c'est facile, avec deux cases d'écart, on devrait pouvoir y arriver tranquille. On va pas s'embêter quand même, hein. Trop. Voilà. Hop. Maintenant, on le fait par distance pure. D'abord lui. Bon, bah, les autres ne peuvent rien faire. On va attendre. De finir tranquille. Prioritairement lui. Et un petit dernier. Et ceci termine donc notre tournoi.